Ben, moi, c'est Marie-Ève Saint-Laurent, Dominique Leblanc, et on est en Gaspésie depuis 2003. On s'est rencontrés à l'université à Chicoutimi, on est partis en voyage, on est revenu avec un bébé dans un bedon, puis on s'est installé ici, puis on s'est bâti une maison sur le Cap. Moi, dans la région, ce que j'aime le plus, c'est vraiment les grands espaces. La mer, la montagne, l'hiver qui ressemble à un hiver, parce qu'on fait du ski, puis on en profite, puis on est content, puis on veut aller jouer dehors. L'accès à la propriété, pour nous autres, ça a été un facteur assez important. On a décidé de se bâtir une maison, mais pour acheter un terrain, on n'a pas payé trop cher. Ça a été, ça a été super. Hein. Quand on est arrivé ici, une des premières choses qui nous a marqué, c'est les villages encaissés dans les anses. C'est l'horizon. Comment c'était vaste, qu'on se sentait pas étouffé, qu'autour on regardait puis on pouvait voir à perte de vue. Mon travail était à Mont-Louis, moi je demeurais à Saint-Anne-des-Monts, donc j'avais la route d'à peu près 40 minutes à faire à tous les jours. C'est l'équivalent que si j'avais été en ville. Mais je faisais beaucoup plus de distance, je rencontrais pratiquement pas de voiture sur le chemin, puis je voyais des paysages magnifiques. C'est vraiment le fun, on voit des baleines de notre fenêtre, puis on les entend souffler la nuit. La plage est à nos pieds, on peut descendre en rappel jusqu'en bas ici sur la plage, puis faire à souper sur un feu de bois avec nos amis tous les soirs si ça nous tente, ça nous coûte pas une scène d'essence. Ben, moi, si des gens qui veulent venir s'installer en région, je les encourage fortement. C'est sûr que ça prend une très bonne capacité d'adaptation parce que c'est un changement par rapport à la ville, là. On se le cachera pas. Mais c'est plein de défis à relever. Tout est à faire ici. Je dirais, les gens acceptent nos commentaires. On échange avec les gens qui sont natifs de la place. Tout est à faire. Pour moi, c'est un super défi à relever.